مسكينة اللي سقطت من العار وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف Des mots de minuit, heureux de vous recevoir une nouvelle fois dans cette émission. Une voix, une interrogation ce soir dans Manière de voir. Dans les deux cas, un métier sinon impossible, du moins difficile. Difficile sur toutes les scènes du monde d'être soprano avec toujours la même exigence. Bonsoir Nathalie Dessay, merci d'accepter d'être de passage dans cette émission. Gérard Bonnet, une question. Comment peut-on être psychanalyste ? Édité chez l'Esprit du Temps. On essaiera de répondre à cette question, ou en tout cas de parcourir plus exactement votre travail et votre art, si tant est qu'on puisse le définir ainsi, le métier de psychanalyste, tout à l'heure. Deuxième partie de cette émission, nous parlerons avec Laurent Danchin de L'art brut brésilien, image de l'inconscient. C'est une exposition à la Halle Saint-Pierre jusqu'au 26 février, me semble-t-il. En tout cas, c'est jusqu'à la fin février 2006. Avec Mine Tranui du magazine littéraire, nous recevrons Pet Kral pour Notion de base, prose, publié chez Flammarion, poésie, surréalisme, autour de gestes extrêmement banals de la vie quotidienne. Musique, bien sûr, dans cette émission, avec vous, Nathalie, et avec Robert. On va commencer avec vous, Nathalie Dessay, et j'aimerais, si vous voulez bien, que vous me parliez de la légende des clous tordus. Moi, j'avais entendu dire ça quand j'avais passé le concours Mozart à Vienne. J'avais entendu dire que si on ramassait un ou plusieurs clous tordus sur une scène, on était sûr d'y revenir. Donc, en principe, pour le meilleur. Donc, comme c'était la première fois que j'étais sur la scène de l'Opéra de Vienne, je me suis dit, bon, je vais ramasser autant de clous que possible pour être sûr et bien sûr d'y revenir et de chanter autre chose qu'un concours. Et vous en avez trouvé ? J'en ai trouvé plein et je suis revenue plein de fois et ça a été un cauchemar. Donc, il faut être bien, bien vigilant par rapport à ses désirs. Cauchemar, désir, pourquoi cauchemar, pourquoi désir ? Votre désir, il est simple, mais quand on regarde votre parcours, que l'on va évoquer dans quelques instants, on a l'impression aussi qu'il y a de la difficulté. En même temps, c'est resplendissant. Oui, c'est vraiment l'ombre et la lumière, quoi. Mais c'est pour moi, parce que je discute évidemment souvent avec des collègues, pour qui c'est aussi difficile, mais pas de la même manière. Alors souvent, on évoque le fait d'être tout le temps parti, loin de sa famille, de faire beaucoup de sacrifices. Un mari, deux enfants. Un mari, deux enfants. Et de s'extraire sans cesse de la vie réelle pour être dans la vie rêvée, ça c'est difficile aussi. Alors pendant un certain temps, c'est intéressant. Surtout quand on est jeune, on est dans une espèce de folie, d'enthousiasme. Et puis, prenant de l'âge, on a envie de vivre pour de vrai aussi. Peut-être aussi d'ailleurs pour mieux nourrir la vie rêvée, la vie sur scène. Deux autres mots qui vous caractérisent et qui sont en tout cas systématiquement repris par la critique ou par les gens qui vous observent, c'est exigence et simplicité. Est-ce que c'est conciliable ? Sûrement, mais simplicité... Ou est-ce que c'est beaucoup d'exigences qui permet d'accéder à la simplicité ? Non, parce que je sais pas pourquoi les gens disent simplicité. Moi, je trouve que plus ça va, plus c'est compliqué. Non, mais c'est mieux de regarder. Oui, mais c'est une apparence, je crois. En fait, je suis abordable. Accessible. On peut me parler, mais je ne suis pas du tout simple, parce que rien n'est simple. Mais personne n'est simple de ce point de vue. Et personne n'est simple. Donc simplicité au sens où effectivement j'aime bien parler, j'aime bien accueillir aussi les autres, notamment les jeunes gens qui veulent faire ce métier, parce que à la fois je trouve que c'est un métier terrible et à la fois c'est le plus beau métier du monde. Vous avez dit métier. Qu'est-ce que c'est que ce métier-là ? C'est un métier étrange. Vous êtes soprano. Mm. Dans les mots qui sont parfois associés à ce vocable. Premier, il y a léger, qualificatif léger, coloratour. Mm-hmm.
Qu'est-ce que c'est que ce métier aujourd'hui, hein? Là encore, je ne peux parler pour moi. Moi, j'ai l'impression que je ne peux être entendue que si je chante. Donc, y a là comme une revanche à prendre. Maintenant, chacun fait ce métier pour des raisons très différentes, je crois. Mais moi, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que quand je parle, personne n'écoute et personne ne comprend rien. En revanche, quand je chante, là, les gens se taisent au moins. Bon. Hamlet, d'Ambroise Thomas, extrait de l'opéra Hamlet. C'est sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré, d'après Shakespeare. L'œuvre est disponible aujourd'hui en DVD. C'est chez EMI Classics. Et on vous retrouve au moment du suicide d'Ophélie. Donc, vous allez exister. Si on continue à travailler sur les mots, il y a évidemment la voix et il y a ce qu'on a entendu, ici c'était à Barcelone, c'est-à-dire le public, un public qui généralement est enthousiaste par rapport à ce que vous faites. La voix d'abord, cet outil qui est un don. Au départ, oui, sûrement. Qui se travaille infiniment, qui joue des tours. Mmh. Oui, c'est-à-dire qu'il a fallu, la perdre pour en savoir la valeur et l'attachement que j'y portais et que j'y porte aujourd'hui. Aller trop loin. Je pense que ça n'était pas ça pour moi. Alors, simplement un rappel, hein, oui, par deux fois, votre carrière a été suspendue. Sinon arrêté parce que les cordes vocales ont été abîmées et qu'il a fallu les opérer, les soigner, les réadapter à la scène. Oui, mais j'ai plus l'impression que c'était autre chose que ça. Les cordes vocales sont la conséquence, mais c'est comme les pianistes qui, oui, c'est ça, qui ont des tendinites. Évidemment, moi, si j'avais été pianiste, c'est là que ça se serait porté. Mais c'est la conséquence de beaucoup de doutes et de réflexion, en fait. Ou de pas de temps de réflexion. Je crois qu'en fait, je me suis presque fait ça pour avoir un temps, pour pouvoir enfin me poser et me poser des questions. Donc vous en faisiez trop? Je faisais pas... Non, parce que même en termes de nombre de représentations, par exemple, moi j'en ai toujours fait moins que les autres. Mais c'est là que j'en faisais trop, probablement. Probablement. Le public? Alors j'ai compris aussi qu'on ne chante pas seulement pour soi, ce qui est bizarre, mais il m'a fallu aussi tout ce temps pour le comprendre. J'ai longtemps cru que je chantais pour moi. Et je découvre aujourd'hui que non, il y a celui à qui on parle. Mmh. Et c'est étrange d'en arriver là, à mon âge. Votre âge. Je vous propose d'écouter Dominique Blanc. Ah, je l'adore. Dominique Blanc, Des mots de minuit, nous sommes le 31 janvier 2001, face à elle a Jean-Claude Pirotte, et elle parle de sa formation et de son apprentissage. Écoutez-la. Mon rêve, c'était de rentrer dans une école, parce que j'étais persuadée que ce métier ne pouvait s'apprendre que comme ça. Bon, comme les écoles n'ont pas voulu de moi, je me suis dit, bon, ben, je vais arrêter. Et puis la destinée arrive, et la plus belle façon d'apprendre ce métier, en tout cas pour moi, ça a été, parce que je pense que c'est un voyage initiatique magnifique, ça a été de regarder
ces acteurs-là, c'est-à-dire Maria Cazares, Gérard de Sarthe, Didier Sandre, Henri Virelejeune, Nada Strancard, de tous les regarder, répéter des heures entières. Je connais mal le répertoire, c'est observer mes partenaires qui m'a tout appris. Mais c'est vrai, parce que je pense que quand vous passez, une après-midi entière à regarder Maria Cazares en train de mourir dans les bras de Gérard de Sarthe, vous apprenez tout. C'est beau ce qu'elle dit. Commentaire sur, sur ce qu'elle dit et peut-être sur votre, votre formation. Oui, sur ma passion du théâtre, en tout cas. Parce alors, que vous avez une famille où le mari chante aussi. De Sarthe, vous le connaissez pour des raisons... familiales aussi. Familiales aussi. Donc, on baigne. Hein, on a là des éléments de contexte importants. S'il fallait retracer votre parcours et... ce qui vous a occupé aussi, c'est le théâtre. Et quand on vous voit sur scène, comme on vous a vu à Barcelone, il y a les deux. Il y a cette voix et il y a ce besoin de donner son corps aussi. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas à l'opéra. Un mot sur la formation. Très vite, vous êtes découverte, donc très vite, vous êtes employée. Hein. Oui. Mais il y avait une volonté ou d'apprendre l'allemand, ou de détester le piano, et en tout cas de faire du théâtre. Oui, il y avait une volonté Il y avait une volonté de vivre quelque chose sur la scène, de n'importe quel moyen, par n'importe quel moyen. J'ai d'abord voulu être danseuse, et puis là aussi, il faut des qualités particulières que j'estimais ne pas avoir, et que je n'avais d'ailleurs pas. Ensuite, j'ai voulu faire du théâtre, et puis là aussi, je me suis aperçue qu'il fallait un désir tellement profond que peut-être je n'avais pas à cette époque-là, en tout cas. Et puis, en fait... Le chant est arrivé par hasard et j'allais dire malgré moi. Je ne me destinais pas du tout à être chanteuse, je n'y avais même pas pensé. Et c'est parce que j'avais des disponibilités que je me suis dit, bon voilà, c'est ce terrain-là qu'il faut cultiver. Et vous l'avez bien cultivé. Pas mal. Vous parliez du travail, il y a une seconde. Concrètement, comment est-ce qu'on travaille avec cette voix que vous avez? Comment est-ce qu'on la protège quotidiennement? Alors quotidiennement, aujourd'hui, j'ai plus le droit de crier. Donc c'est difficile avec des enfants. Donc, La méchante maintenant, je frappe directement. Non, je sais pas. Il y a aussi une hygiène de vie, ça c'est sûr, mais depuis longtemps. Un chanteur, en principe, n'est pas quelqu'un qui sort, n'est pas quelqu'un qui boit, n'est pas quelqu'un qui fume. Vous démentez? Non, c'est vrai. Enfin, pour ce qui me concerne, en tout cas, c'est comme ça, parce que je ne pourrais pas résister sinon. Mais j'en connais qui sont des chanteurs extraordinaires et qui ne respectent rien de tout ça. Et il y a vraiment là aussi une grande injustice, mais bon, c'est comme ça. Mais plus que de protéger, il y a un désir de cultiver, comme cultiver son jardin. Le travail avec Robert Carsen sur les contes d'Hoffmann... On parlait tout à l'heure opéra, théâtre, le théâtre qui donne aujourd'hui l'impression, en tout cas, d'envahir de plus en plus l'opéra. Tant mieux. Tant mieux, dites-vous. Mmh. C'est en 2000, vous interprétez dans les contes d'Hoffmann la poupée de... Oui, des trois fiancées d'Hoffmann. Et vous l'avez fait de toutes les manières possibles et imaginables. C'est un rôle que vous possédez à fond. On regarde les répétitions et le résultat. Alchimie. Stop. C'est pas là où il doit le réparer? Il y a rien d'autre à faire, mais... Mais ça, il faut que ça soit un truc là. Et puis après, mais ce que je fais, tu vois, si je vois ta tête là, il faut que ta tête disparaisse comme ça. Moi, je fais coucou au genou de Nathalie, là, en dessous. Et puis je recule de ça, comme ça. Oh!
produit fini, image de répétition que nous devons à nos voisins de Musique Zucker. Le travail avec le metteur en scène, comment est-ce que ça, ça s'organise aujourd'hui? Vous critiquez une certaine tentation qu'on a pu observer à l'opéra qui... Alors je crois que votre expression, c'est de dire finalement certains aimeraient nous laisser dans la fosse. Oui, enfin... Ça, c'est une partie des gens. D'autres veulent faire de nous des personnages du musée Grévin. Donc ça, c'est encore beaucoup plus grave, j'allais dire. parce que je trouve mais que... Mais chez vous aussi, il y a quand même aussi... Il y a un statisme aussi qui va avec... Non, c'est-à-dire que c'est difficile de bouger en même temps qu'on chante, parce qu'on est en train d'être dans une performance physique très, très, très pointue. C'est difficile, mais c'est possible. C'est possible et surtout, c'est ça le travail. Et c'est ça l'entraînement. Parce que pour moi, on ne chante pas qu'avec sa voix, on chante avec tout son corps. Mmh. Et quel que soit le rôle, je pense qu'on peut arriver à approcher le travail de l'acteur, même s'il est très différent, parce que la gestion du temps est différente. De quelle manière ? Ben, c'est-à-dire que sur un air, vous pouvez être sur le même sentiment pendant tout l'air, par exemple. Ce qui n'est pas du tout la même chose avec un acteur qui change de sentiment presque toutes les 2 secondes, 3 secondes, avec le texte qui défile à une vitesse qui est bien supérieure à la nôtre. Donc la gestion du temps est différente, mais finalement, l'émotion doit être la même que celle que peut dégager un acteur. Dans les phrases que je retiens de ce que vous avez pu dire, vous dites « je suis pour qu'on viole une œuvre ». Oui, bon là c'était un peu de provoque, mais je voulais dire par là que j'aime bien l'idée qu'un metteur en scène apporte une lecture nouvelle par rapport à une œuvre. C'est-à-dire que s'il s'agit de refaire sans cesse la même chose pour prouver qu'on est les gardiens du patrimoine, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, s'il s'agit ensemble d'éclairer différemment une œuvre, par exemple, depuis 2006, une œuvre de, je ne sais pas moi, 1750, je trouve que là, ça devient intéressant. Quelles sont, de ce point de vue-là, quelles sont les héroïnes que vous avez envie d'incarner aujourd'hui ? Moi, j'ai envie de nouveautés. Donc, j'ai envie de nouveaux répertoires. J'ai envie à la fois d'explorer, évidemment, le répertoire, le grand répertoire, comme on dit. Mmh. J'aimerais bien chanter Traviata, évidemment, parce que ça, c'est un rêve de chaque chanteuse. Mais en même temps, j'aimerais que quelqu'un m'écrive quelque chose que je puisse aimer, que je puisse m'approprier. J'aimerais trouver des opéras qu'on ne connaît pas. Et pour ça, bon... Je m'y attelle petit à petit. Une autre phrase, référence à Malkovich, l'acteur de cinéma, dont il dit, lui dit en tout cas qu'il est capable de jouer de pleurer la mort de son fils et de penser en même temps au carrelage de sa salle de bain. Oui, mais c'est la fameuse distance. C'est la fameuse distance que le comédien a avec son rôle. C'est-à-dire qu'il est comédien, à la fois... Comédien-chanteur, donc là ça Nous, on a forcément la distance dans la mesure où on chante. Donc on n'a pas besoin de se la créer. Ni de la chercher, parce qu'elle est là forcément, parce que moi, nous, dans la vie, on ne chante pas. Alors, y a déjà moins de danger. Non, le danger, c'est justement d'être tellement investi par l'émotion du moment qu'on oublie qu'il faut chanter et qu'on rate le geste technique. Ça vous est arrivé ? Oui, bien sûr. Et c'est dommage, parce que ce n'est pas du tout le but. C'est pas tout le but. Le but, c'est vraiment d'être au plus près du geste technique, le plus précis, tout en étant dans l'émotion. Et je dis bien dedans, pas juste au bord. Et ça, c'est vraiment difficile, mais c'est vraiment intéressant. Autour de vous, dans les références, il y a Enig Mankell. Vous savez, dans cette émission, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Donc, auteur de romans policiers suédois qui se partage avec le Mozambique où il fait du théâtre. Pourquoi ces passions-là ? Je ne sais pas. Moi, j'adore les romans policiers parce que c'est le côté très, très sombre aussi de la vie. C'est les meurtres, c'est le sang, c'est les bas-fonds, c'est tout le noir de l'âme humaine. Et en même temps, j'adore Enig Mankell parce qu'il a cette passion du théâtre, parce qu'il vit la moitié du temps en Mozambique, tout en étant suédois, et tout en décrivant notre société avec un regard très, très acerbe dans ses romans. Donc, si on cherche encore un peu, on trouve Nougaro, si, et le jazz, ce
ce qui n'est pas non plus évident dans, non, dans y a, votre métier. Y a, c'est vrai, mais il y a un vrai amour des voix déjà. Donc dans le jazz, il y a quand même des voix tout à fait prodigieuses. Et puis il y a l'envie, au sens jalousie, par rapport aux musiciens de jazz qui sont dans l'improvisation et dans la liberté la plus totale par rapport à nous qui sommes dans un cadre tellement strict. Et quelque chose d'un peu surprenant, je vous propose un extrait de l'un de ses clips. Le titre, c'est « Ass Like That », ce qui veut dire littéralement « un cul comme ça ». C'est sorti cette année. It's almost too good to be true. I ain't never seen a ass like that. The way you move it, you make my slinky go. Doing, doing, doing. The way she moves, she's like a ballet dancer. She's shaking that ass to the new Nelly jams. I think someone's at the door, but I don't think I'm an answer. Holy saying freeze. Oh. Doing, doing, doing. What do you mean? Freeze, please. I'm a human being. I have needs. I'm not done. Not till I'm finished being. I am not resisting arrest. I am agreeing, Mr. I can't get on the ground any further, it's impossible for me. And do not treat me like a murderer, I just like to be, be. Yes, I make R&B, I sing song and go ring it strong. Jing, chong, 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 ching. Psych, I joke, I geek. If I offend, I'm sorry, please, please forgive. For I am Triumph, the puppet dog. I am a mere puppet, I can get away with anything I say. And you will love it, the way you shake it, I can't believe it. I ain't never seen a ass like that. The way you move it, you make my slinky go. Doing, doing, doing. Eminem, dans oui, votre environnement culturel. Oui, là, c'est pas ma chanson préférée, hein, mais bon. Non, voilà, non, mais elle était actuelle et on paye moins de droits, voilà. Je sais dans tout. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que là, il y a une... Il y a d'abord un phénomène qui est le phénomène du rap et qu'on ne peut pas ignorer. Et que je trouve, moi, extrêmement intéressant. Et il y a là, chez Eminem, en tout cas, une espèce de force, de violence. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attirée, alors que je comprenais rien à ses chansons, que je connaissais pas vraiment sa musique. Il y a quelque chose qui m'a tout de suite prise. Je sais pas très bien expliquer pourquoi. Mais en même temps, ce qu'il transporte, c'est plutôt... C'est plutôt agressif. Oui, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais c'est la façon. C'est peut-être tout l'habillage aussi qui me fascine. Ça fait écho à la part d'ombre du roman policier dont vous parliez tout à l'heure. Probablement. Peut-être. Hein. Probablement. Oui. Il y a... Et puis, c'était le premier rappeur blanc aussi. C'était bizarre, cette association. Normalement, le rap, c'est pas blanc. En tout cas, le rap américain, jusqu'à lui. Donc, tout ça était étrange et venu d'ailleurs. Je pourrais dire, à ce moment de l'interview, vous êtes une star. Et je pourrais dire, exactement de la même manière, vous n'êtes pas une star. Mmh. Objectivement, on peut dire que vous l'êtes. Quand on vous voit, on n'a pas l'impression que vous l'êtes. C'est un statut avec lequel vous avez affaire, plus à l'étranger qu'en France, mais avec lequel vous avez de toute façon affaire. Oui. Comment est-ce que vous réglez ça psychiquement dans la tête ? J'ai un peu du mal, en fait. Pour dire la vérité. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me suis dit qu'en dehors de la scène, je ne devais rien. Je ne devais rien faire, rien dire, et que ce n'était pas mon métier, et que c'était autre chose. Or, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Je me suis aussi longtemps moquée de mon image. Et je continue, d'ailleurs. Mais je ne sais pas où ça mènera. Comment se moque-t-on de son image ? Comment fait-on ? Par exemple, en arrivant habillé en jogging, comme normal, quoi. Normal. Pardon. C'est-à-dire juste normal. Parce que moi, je suis comme ça dans la vie. Je m'habille en jogging. Donc, en ne voyant pas pourquoi il faudrait s'habiller autrement pour aller à la radio, à la télé, rencontrer des gens. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Il y a une très belle chose que vous faites. Vous avez deux enfants, Néma Judith et Tom Solal. Et il y a une conversion dans votre vie. Ma dernière question portera sur la transmission. Donc, qu'est-ce que vous donnez à ces enfants et à cette famille pour laquelle vous êtes converti ? J'espère que j'apporte des valeurs auxquelles je crois,
profondément. Et surtout, cette conversion, c'était un peu ce que je donnais surtout à mon mari. C'est-à-dire, je lui permettais de transmettre à ses enfants. Donc, je ne suis qu'un passeport. Lui est baryton, il s'appelle Laurent Nairobi. Oui. Vous chantez ensemble ? Peu. On a un peu de répertoire commun, mais ça nous arrive de temps en temps. Ça nous arrivera encore à l'avenir. Et c'est toujours un grand plaisir, parce qu'on partage évidemment la même passion, mais aussi et surtout la même vision de ce métier. Par rapport à votre parcours et à votre enfance, sur les pistes que vous avez explorées, les chemins de traverse que vous avez essayés, les pistes où vous ne vous êtes pas engagé, les chemins de traverse qui se sont refusés à vous, comment on fait avec les enfants ? On est plus à l'écoute, on les laisse, on les lâche ? Oui, c'est-à-dire je voudrais leur ouvrir l'esprit. Je voudrais qu'ils voient autre chose que Paris, que la France, qu'ils apprennent des langues étrangères, qu'ils fassent des études les plus poussées possibles pour avoir juste l'esprit le plus ouvert possible. Parce que c'est le seul avenir possible dans ce monde bizarre. À qui le dites-vous ? Gérard Bonnet, qu'avez-vous entendu de Guy Nathalie Dessay ? Ah, écoutez, beaucoup de choses, mais en tout cas, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ce que vous disiez au début, hein. C'est-à-dire que vous avez choisi, ou tout au moins vous vous êtes engagé dans ce métier, parce que vous aviez l'impression qu'il n'était pas facile de se faire entendre quand vous parliez. Oui. Et que quand vous chantez, là ça passe. Oui. Hein, et que là on vous entend. Je crois que c'est très important parce que ça montre qu'il y a un cheminement intérieur vers la possibilité de pouvoir toucher l'autre. Puis ensuite, quand vous dites qu'il y a eu des moments comme ça un peu difficiles, hein, des moments moroses qui montrent que c'est vraiment tout votre être intérieur, inconscient, qui est engagé dans votre travail. Et puis que maintenant, vous êtes beaucoup plus impressionné par le public. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes entendu par un public, comme ça, anonyme, mais en même temps, que vous vous rendez compte de l'importance que ça a. Beaucoup, hein, ça m'a beaucoup impressionné parce que je crois que c'est vraiment un itinéraire profond, humain, qui engage toute votre histoire, que vous n'avez pas à nous raconter en détail. Mais en tout cas, qu'on sent se cristalliser et s'organiser autour de votre profession, de votre métier. Heureux ceux qui peuvent avoir cette chance. Hein, parce oui, c'est à la fois lourd et à la fois extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant, parce que hein, combien de personnes sont à la recherche de ce qui va leur permettre de faire ce cheminement. Bon, on sent quand on vous entend chanter que vous êtes vraiment dedans. Ouais. Voilà. Allons voir Delirio Händel, Nathalie Dessay, le concert d'Astrée, Emmanuel Haim, un DVD avec le CD sur les coulisses de l'enregistrement. C'est disponible chez Virgin Classic. On vous écoute, Nathalie Dessay. Thank you.
Nathalie Dessay, Emmanuela, extrait de Delirio, et je vous entendais parler tous les deux, et l'une expliquait à l'autre le travail que représentait ce qui a été la tournée l'été dernier, un travail à la fois corporel et psychique, et un travail qui demande toujours une adaptation, puisque et le corps et la voix changent. Gérard Bonnet, comment peut-on être psychanalyste ? Avant d'entamer cette conversation avec vous, alors que les psychanalystes sont taclés depuis quelque temps par les comportementalistes, par un livre noir, etc., j'ai trouvé un bonheur d'expression et je voudrais vous faire écouter et vous faire partager parce qu'il me semble que ça peut être du plaisir commun. Sur Arte, à la fin de la semaine dernière, dans un film de François Caillat, diffusé le 2 décembre exactement, Julia Kristeva, étrangère. Julia Kristeva dit, alors qu'elle reçoit le prix Holberg, c'est un prix qui récompense quelqu'un qui a fait de grands travaux en matière de sciences sociales, elle est récipiendaire de ce prix et elle prononce un petit discours où elle explique cette nécessité qu'a chaque être humain de toujours dépasser, d'aller au-delà des frontières. On parlait de la transmission il y a une seconde, mais ce n'est pas seulement faire que ses enfants traversent les frontières, c'est aller soi-même au-delà de ses propres frontières. Et elle est linguiste, théoricienne de la littérature, elle est psychanalyste et romancière. Et voici ce qu'elle disait dans le film de François Caillat. And in my work, I have indeed crossed the frontiers between disciplines, as the Holberg Prize jury has remarked. The crossing of frontiers, whether geographical, those between disciplines or modes of discourse, is only possible on the condition that the traveler is capable of calling into question their own internal frontier. I travel myself. It is only on this condition that ideas can be substituted for sorrows, and rebirth and renewal become eventually possible. Je me voyage. Oui. C'est vrai que là, il y avait un bonheur d'expression. Et c'est un viatique, hein, on peut se balader avec. Et puis là, on a presque une philosophie de vie. Tout à fait. Parce que je pense que la plupart des personnes auxquelles nous avons affaire et qui sont bloquées sont comme ça enfermées dans leurs propres frontières. Hein. Ce sont des personnes malheureuses du fait qu'elles n'arrivent pas à dépasser une espèce de mur qui s'est construit au fur et à mesure de leur existence parce qu'elles en ont vu toutes les couleurs. Et qu'elles croient que c'est en restant dans cette protection qu'elles pourront survivre. Donc je pense qu'en effet, c'est un idéal. Vous parliez d'idéal tout à l'heure. C'est évident que pour nous, c'est un idéal que de pouvoir dépasser ces frontières, quelles qu'elles soient, qui de toute façon existent toujours, plus ou moins. Hein, on ne peut pas se construire sans avoir un minimum comme ça de délimitation intérieure. Mais je pense que l'analyse est une des possibilités de passer et de revenir, mais de faire ce voyage constant entre l'intérieur de nous-mêmes et puis cette extériorité et le public, d'ailleurs, dont vous parliez tout à l'heure. Hein? L'analyse, le mot est lâché. Le métier de psychanalyste apparaît aujourd'hui comme un métier impossible. Gérard Bonnet, vous êtes directeur, vous appartenez à l'Association psychanalytique de France et vous êtes directeur de l'EPCI, École de propédeutique à la connaissance de l'inconscient. Oui. Et vous écrivez ce livre qui essaye de faire le point sur ce qu'est le métier de psychanalyste, sur la manière d'y accéder. Vous recensez toutes les écoles de pensée psychanalytique, certains diraient les chapelles,
Toutes ces écoles dont d'autres diraient encore qu'elles s'étripent. Pourquoi ce besoin de revenir à une volonté de simplicité et à une volonté d'explication basique de ce qu'est le métier ? Pour essayer de rendre compte aussi de l'épaisseur et de la complexité de cette fonction, si vous voulez. Parce que c'est évident que dans les critiques qu'on fait à l'analyse, c'est souvent de dire, après tout, n'importe qui peut se mettre dans un divan, s'installer et écouter. Après tout, ça ne demande pas beaucoup de formation. Et celui qui a fait une analyse peut être analyste, enfin des banalités de ce genre. J'ai d'abord voulu rappeler, surtout dans le contexte actuel, où on critique beaucoup la psychanalyse, que celui qui voulait pratiquer ce métier se mettait dans une voie extrêmement exigeante à beaucoup de points de vue. C'est vraiment un métier impossible, d'une part parce qu'il demande une formation extrêmement longue et approfondie, c'est-à-dire qu'il remet la personne en cause très en profondeur et à longueur de vie. Je veux dire qu'on ne peut jamais s'arrêter de travailler sur soi-même. Et puis ensuite, qui demande justement de partager avec d'autres et avec d'autres qui ne sont pas toujours faciles à côtoyer. Quatre piliers pour être dans le fauteuil devant le divan. Oui. Hein, la première consiste à savoir écouter, tout écouter pendant des heures, des semaines, des années de la part de la même personne. Cela paraît aller de soi, mais demande une prédisposition qui n'est pas donnée à tout le monde. Theodor Reich parlait de troisième oreille. Première condition. Deuxième condition ou qualité, la seconde requise pour être analyste est la discrétion, la capacité à conserver un secret. Quand on propose un travail psychique dont le ressort essentiel est la libre association, exigeant de dire tout ce que l'on pense, la première chose qui vient à l'esprit et qu'on demande à son interlocuteur, c'est qu'il sache tenir sa langue. Or, ce n'est pas si aisé, surtout dans les conditions où se pratique aujourd'hui l'analyse. La troisième qualité indispensable est la neutralité. Non seulement l'analyste garde le secret sur ce qu'il entend, mais il s'efforce aussi de ne pas laisser percer ses opinions d'une façon ou d'une autre. Fini les préjugés moraux, raciaux, esthétiques, religieux, éducatifs ou autres. L'analyste doit pouvoir entendre sans sourciller les choses qui lui sont les plus insupportables dans la vie courante. Et cela nous met parfois dans des situations plutôt inconfortables, on l'imagine. Et enfin, il y a une quatrième qualité, c'est la capacité d'interpréter. Un mot sur cette capacité d'interpréter, parce que sur ce que vous dites des autres qualités, elles sont directement accessibles au commun des mortels. En revanche, la capacité d'interpréter, ça c'est sans doute l'une des conditions les plus difficiles à entendre pour les béotiens. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la base de l'analyse, c'est quand même que l'analysant, le patient, puisse, comme vous venez de le rappeler, dire tout ce qui lui passe par la tête sans aucune restriction. Y compris les pires saloperies. Y compris la violence à certains moments, et y compris des choses auxquelles on n'adhère pas, enfin, qui nous auraient... Imagine. Bon, voilà. Mais en même temps, je pense qu'il y a toujours un double discours, c'est-à-dire un discours associatif et un discours interprétatif. C'est-à-dire qu'en même temps, l'analyste, lui, est un petit peu à l'affût de tout ce qui fait tilt, c'est-à-dire de tout ce qui fait bizarrerie dans ce qu'il dit. Parce qu'au fond, la personne qui parle croit toujours que c'est cohérent, qu'elle est en train de dire des choses qui se tiennent de son point de vue, mais régulièrement perce tout à coup une intonation, un mot inattendu. Et l'analyste doit être constamment à l'écoute et à l'affût, mais pas à l'affût tendu, mais à l'affût, j'allais dire, réceptif. Écoute flottante. Voilà, de tout ce qui ressort comme ça, et à certains moments, de faire ressortir une idée. Un souvenir, une pensée, et qui va éclairer tout le discours. Alors, un des grands débats, au-delà des querelles de fond sur l'analyse, c'est comment est-ce que cette capacité d'interprétation s'apprend ? Vous dirigez-vous une école de propédeutique, enfin une école où on peut apprendre à être psychanalyste, et qui est ouverte au plus large public. Qu'est-ce que c'est que cette formation ? Vous aviez raison tout à l'heure de dire que c'est dans un souci de simplification. Hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les écoles sont innombrables, les personnes qui sont intéressées à l'analyse se demandent où aller. Et c'est souvent incompréhensible, l'école. Et voilà. Donc, il y a une vingtaine d'années maintenant, avec quelques collègues de l'université, on s'est dit qu'il faut quand même qu'on essaye de trouver un lieu qui permette à des gens qui sont vraiment béotiens, mais qui ont un vrai désir, de pouvoir accéder à l'analyse. Hein. Alors, ça s'appelle propédeutique, justement, parce que donc propédeutique signifie mise en route, accès
aux notions élémentaires. Alors, notre souci est celui-là. Hein. On a vraiment... On n'est pas une société de psychanalyse. Je veux dire que les gens qui viennent... C'est une école. C'est une école. Et ensuite... Ils vont payer des coûts. Les gens vont où ils veulent. Aussi bien côté lacanien, côté d'Oltoïen, côté classique. Quoi. Donc, ce n'est pas notre souci. Notre souci, c'est justement, étant donné cette espèce d'éclatement, de faire en sorte que ceux qui se destinent à l'analyse aient au moins les bases indispensables. Parce que chacune des écoles ayant tendance à valoriser tel ou tel aspect finissait par rendre complètement aveugle sur d'autres. Alors qu'il y a des bases qui me paraissent justement complètement essentielles. Et c'est un peu ces bases que j'ai essayé de formuler dans ce livre, qui résume quelques années d'enseignement. Quand on est analysant, donc quand on est sur le divan, il y a toujours un moment où on a envie d'être analyste. Et vous soulignez qu'il y a la nécessité du désir d'être analyste, et vous dites « le désir d'être analyste naît le plus normalement du monde lorsqu'on a trouvé pour soi dans l'analyse les moyens de clarification, de renouvellement, de déblocage qu'on n'avait pas trouvé autrement, et qu'il s'en est suivi de véritables moments d'illumination ». Ah, tout à fait. L'illumination est un mot très très fort. Oui, tout à fait. Non, parce que si vous voulez, là encore, il y a bien sûr l'apprentissage des techniques, il y a l'apprentissage au niveau de la théorie, mais je pense qu'il est impossible de pratiquer ce métier si on n'a pas fait soi-même une analyse où à certains moments, on a eu l'impression que vraiment quelque chose bougeait d'essentiel. Hein. Vous parliez de votre vocation tout à l'heure, enfin de votre désir de vous lancer dans le champ. Eh bien, je crois qu'un travail analytique permet qu'à un moment donné, on se retrouve. C'est-à-dire, on se dit, bah, voilà qui je suis et ce que je voudrais être. Et c'est quand même, enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai eu des moments comme ça, assez étonnants. Et ces moments-là vous disent, mais vous font dire, si je pouvais permettre à d'autres de faire le même chemin. Est-ce une guérison ? Alors non. si vous voulez, moi j'ai fait un livre qui s'appelle Symptômes et conversions pour montrer que c'est justement une des querelles avec nos critiques actuelles hein, de dire que l'analyse ne guérit pas. C'est pas vrai. L'analyse guérit certains symptômes, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que j'appelle moi la conversion. Oh, je reviens à un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, mais au niveau que Freud a utilisé dans les tout premiers temps de son travail, pour montrer qu'à un moment donné, on est capable d'inverser un fonctionnement dans lequel on était enfermé vers une ouverture et vers un partage. C'est-à-dire qu'au fond, les personnes qui sont en difficulté n'arrivent pas à sortir d'elles-mêmes, vous parliez des frontières tout à l'heure, mais pas seulement pour passer une frontière, mais pour aussi mettre en communication ce qu'elles ont de plus intime et de meilleur. Et je crois que le moment où se fait ce passage, moi j'appelle ça une conversion. Et une conversion qui, après, se perpétue, parce qu'une rencontre en entraîne une autre, et notre travail, c'est de permettre aux gens de redevenir relationnels, le plus possible. Hein? Là encore, c'est un des reproches qu'on fait à l'analyse. On dit souvent que l'analyse isole les gens, les rend un petit peu égoïstes ou narcissiques. Normalement, c'est exactement le contraire. Elle est faite pour ouvrir et permettre de renouer des relations avec une universalité la plus large possible. Dernière question sur votre livre, celui-là, dans une seconde. Je vous propose d'écouter Carl Gustav Jung. Oui. Les dossiers de l'histoire, c'était sur France 3. Jung parle de Freud. Il ne dit pas du tout que c'est un imposteur, mais il y a d'autres gens qui disent que Freud est un imposteur. Mais Jung prend ses distances par rapport à Freud. Oui, tout à fait. Et ensuite, on viendra sur la nécessité de la culture chez l'analyste, Jung. What sort of man was Freud? Well, he was a complicated nature, you know. I liked him very much. But I soon discovered that when he had thought something, then it was settled. While I was doubting all along the line. It was impossible to discuss something really a fond. You know, he had no philosophical education, particularly, I was studying Kant, I was steeped in it, and that was far from Freud. So from the very beginning, there was a discrepancy. Commentaire sur ce petit extrait de... Vous savez, c'est vrai que Freud est quelqu'un qui avait des positions très établies, très fermes, parce que c'est un fondateur.
Hein, il fallait bien quand même qu'il pose des bases. Bon, mais enfin, il faut quand même reconnaître, quand on suit son œuvre, qu'il a constamment remis en œuvre, en doute régulièrement ce qu'il avait déjà posé. Hein. Et pour nous, ce qui est passionnant, c'est quand on regarde tout son itinéraire, de voir qu'il y a des périodes successives au cours desquelles il doute et il remet en cause. Donc là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que c'est vrai qu'il a posé des bases, par exemple le complexe d'Œdipe. Bon, hein, il en fait une espèce de référence, ou bien la sexualité infantile. Bon, mais avec quand même une espèce d'ouverture assez permanente dans ce domaine. Hein. Ceci dit, nous, psychanalystes, nous ne sommes pas esclaves de ce que Freud a dit, et quand j'enseigne justement dans mon école, je n'arrête pas de montrer la diversité des positions analytiques actuelles, qui montrent bien que même si on a un fondateur assez sûr de lui, aujourd'hui la diversité des opinions est énorme. – Est-ce que c'est facile pour un psychanalyste comme vous, directeur de cette école, finalement d'expliquer que ben ces querelles entre chapelles, etc., finalement sont insupportables ?– Insupportables. Enfin, aucun intérêt, quoi. Non, mais pour celui qui veut apprendre à se connaître et pour celui qui veut traverser sa frontière. D'accord. Moi, je les prends toujours par le bon côté. C'est-à-dire que je dis, voilà, l'analyse, c'est un monde. C'est un monde où, justement, comme il y a une liberté d'expression, tout peut se dire. Et on peut voir, d'ailleurs, je le souligne à plusieurs reprises dans mon livre, que tout à coup, on dit, par exemple, le contrôle est capital, et vous avez un psychanalyste de la société la plus établie qui dit, moi, le contrôle, je trouve ça idiot. Hein? Freud dit que la sexualité est fondamentale, et vous avez Coït en Amérique, un grand psychanalyste, qui dit non, la sexualité est secondaire. Bon, autrement dit, ou bien vous avez Karen Horney, par exemple, qui dit la sexualité infantile, c'est secondaire. Autrement dit, ce qui est stupéfiant, c'est qu'on a ces retournements. Mais ces retournements n'empêchent pas qu'on communique quand même, et que ça nous permet de relativiser nos opinions et de ne pas en faire des dogmes. C'est-à-dire qu'au fond, moi... Et rien de scientifique en la circonstance. Hein, bon. Comment ? Rien de tellement scientifique. Ce qui est scientifique, si vous voulez, c'est le travail qu'on fait quand on a un cas précis et qu'on peut montrer ce qui a été opérant. Et là, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ceux qui critiquent notre travail en disant qu'il n'y a pas de cas intéressants. Moi, j'en ai publié quelques-uns en montrant qu'en effet, il y a des modifications qui s'opèrent quand on arrive à repérer tel ou tel complexe, telle ou telle configuration. Et ça, c'est scientifique parce qu'on l'établit à partir d'une observation. Mais on ne peut pas parler de science au sens où il y aurait des lois générales, si vous voulez. Je dis toujours, moi, en psychanalyse, il n'y a de science que du particulier. Je note que dans votre livre « Pour être psychanalyste », vous insistez sur la nécessité de la culture et la nécessité de savoir se sortir de ces frontières, hein, puisqu'on a placé cet entretien sur l'idée de frontières. Vous dites que c'est un fait que nous constatons quotidiennement à notre époque, où beaucoup se disent non-croyants, voire en rupture avec le monde qui les a vus naître. Plus on est opposé à la mentalité dont on est issu, plus on en est marqué et plus on en pratique inconsciemment les données implicites. Bien des patients qui viennent nous consulter souffrent sans le savoir des effets à retardement, des mondes qu'ils ont quittés et auxquels ils croyaient avoir à tout jamais renoncé. Un grand nombre de symptômes sont ainsi le fruit de croyances, de critères, d'obligations issues de cultures oubliées et qui, coupés de leur contexte, deviennent des maîtres implacables dont il est difficile de se libérer, d'où la nécessité de se cultiver, de se cultiver, de se cultiver. Et à ce moment-là, jaillit du Diable Vauvert, publié chez Les Arènes sous la direction de Catherine Meyer, qui est éditrice et pas psychanalyste, avec Michael Bors-Jacobsen, Jean Cotrou, Didier Pleu, Jacques Van Rillard, Vivre, penser, aller mieux sans Freud, le livre noir de la psychanalyse. Les Arènes, qui est plutôt un éditeur de la polémique. Le livre noir, c'est y a une intention dans le titre. Je vous renvoie à sa lecture. On n'est pas dans une logique polémique dans cette émission. Nous avons fait le choix de vous recevoir votre position actuelle. Mais on renvoie à cette lecture. Et de cette lecture, au-delà des erreurs qui ont pu être soulignées ici ou là, notamment par Roudinesco, il y a aussi cet argument sur le fait que vous ne voulez jamais être contrôlé. Que les psychanalystes ne veulent être contrôlés que par eux-mêmes. C'est ça, oui. Ce qui veut dire, bon, alors, on ne resitue pas le débat, les politiques ont tenté d'intervenir pour ordonner ce métier, mais sur cette simple idée qu'il faut que, quelque part, vous soyez sanctionné. Donc, si vous êtes irresponsable, que, quelque part, il y ait à payer
pour une irresponsabilité ou comme on dit que Freud a fait se suicider certains de ses patients, etc. Enfin bon, il y a aussi des attaques très, très dures, même si elles sont, l'argument est faible le plus souvent. Non, il y a, au fond, on peut entendre ce mot de deux façons. Hein. Si on entend le mot contrôle au sens de pouvoir juger sur une cure est valable ou pas, ça me paraît difficile parce qu'au fond, il n'y a que le sujet qui peut en répondre. Hein. Finalement, chacun y trouve ce qu'il y cherche et c'est très difficile de donner des critères qui permettraient d'évaluer si une cure est bonne ou est mauvaise. Voilà. Par contre, si on parle de contrôle au sens des conséquences sociales et familiales, par exemple, d'une cure, moi, je pense que là, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a eu des plaintes, quelquefois, de parents ou d'éducateurs par rapport au travail qui avait pu être fait. Et j'estime que les analystes n'ont pas à se dérober à ce genre de conséquences. Hein. Je vous propose d'écouter Jean Cottreau, psychiatre des hôpitaux, directeur de l'unité de traitement de l'anxiété au Centre hospitalier universitaire de Lyon. C'est un extrait de l'émission Campus du 29 novembre 2005. Qu'est-ce qui est dangereux? Il peut arriver que des personnes qui soient dépressives ne soient traitées avec une psychanalyse qui dure indéfiniment, et ça, il y a un exemple dans le Livre noir, sans raison particulière, qui soient un jour guéries par simplement des régulateurs de l'humeur. Donc je pense que là, il peut y avoir des problèmes. Il y a aussi quand même un phénomène qui est peu connu et que j'aborde dans le livre, c'est que la psychanalyse classique, chez certaines personnes, peut entraîner des réactions dépressives du fait de la dépendance transférentielle. Et j'ai pu observer parmi mes camarades, c'est évidemment que ce n'est pas uniquement la psychanalyse, un taux de suicide extrêmement élevé et anormal, et chez un certain nombre de personnes aussi. Donc ça peut, quand elle est bien appliquée, la psychanalyse ne pose pas de problème. Quand elle ne veut pas être un soin, elle ne pose pas de problème. Mais quand on est dans le domaine du soin, où on a à prendre tous les jours des décisions, ce n'est pas forcément la décision la plus fréquente à prendre que d'engager les gens vers une psychanalyse, alors qu'en France, on présente ça comme le nec plus ultra et la référence absolue. Alors, en France et en Argentine, hein, et les auteurs du Livre noir de la psychanalyse disent que partout ailleurs, elle a été remise en cause. Bon, on a entendu un tout petit peu de la polémique, mais au-delà de cette polémique, je voudrais m'arrêter sur les neurosciences et sur le travail des comportementalistes. Autrement dit, pour faire court et être un tout petit peu schématique, pour ceux qui s'intéressent d'abord aux symptômes, qui essayent de réduire le symptôme et donc de faire que la personne puisse éviter de secouer tous les jours sa serviette à la fenêtre, par exemple, ou des neurosciences qui montrent aussi que la parole ne suffit pas toujours à reconnecter les neurones. Hein. J'essaie d'être réducteur et rapide. Qu'est-ce que ça vous apporte comme remise en question, neurosciences, comportementalisme? Mais j'ai du mal à comprendre, si vous voulez, cette espèce de guerre qui se crée comme ça entre des gens qui essaient de soigner les autres. Parce que vous dites soin, hein, hein? Vous dites soin. Oui, oui, parce que la psychanalyse est aussi une façon de se soigner quand on a des difficultés particulières. Simplement, je vais simplement vous parler de mon expérience. Quand quelqu'un vient avec des problèmes que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire des troubles obsessionnels compulsifs ou des phobies excessives, je leur propose plutôt d'aller voir un comportementaliste pour essayer d'abord de se débarrasser d'un symptôme trop encombrant, quitte ensuite à faire un travail plus approfondi. C'est à nous d'avoir quand même le respect de la demande et à ne pas aller au-delà de cette demande. Et je pense que la plupart de mes collègues le font. Hein? Non, non, ça, je crois que l'idée qu'on embarque en analyse tous les gens qui viennent avec un problème, quel qu'il soit, est complètement stupide. Vous êtes un sage, finalement. J'espère. Je voulais m'arrêter sur deux questions et on arrive au terme de cet entretien, mais ça n'a plus à voir avec qu'est-ce que la psychanalyse et comment être psychanalyste aujourd'hui, mais sur deux de vos travaux, chez Albin Michel, Défi à la pudeur, quand la pornographie devient l'initiation sexuelle des jeunes, qui est un travail sur ce regard des jeunes sur les films X, qui est le regard unique qu'ils ont sur l'approche de la sexualité, et donc qui est un refus de l'esthétique de l'amour, hein, tout à fait, d'une certaine manière. Et puis d'autre part, sur la responsabilité, le remords, psychanalyse d'un meurtrier,
qui est un jeune meurtrier que après 10 ans d'hôpital psychiatrique, vous avez traité. La première question porte sur l'exhibition. Et vous dites ceci et ceci à voir avec une société de télé-réalité où tout le monde dit tout le temps. Vous écrivez ceci. Pour la psychanalyse, en effet, il faut se rendre à l'évidence. Cet exhibitionnisme collectif de type social, professionnel, politique, s'accompagne en profondeur d'un exhibitionnisme sexuel qui croit dans les mêmes proportions, ce qui est dans l'ordre des choses. Étant donné que nos tendances les plus actives prennent leur source et leur dynamisme dans notre inconscient sexuel, il suffit qu'on les surinvestisse pour que cela entraîne par le fait même une intensification de leur soubassement sexuel. Autrement dit, on est dans une société où il faut systématiquement se montrer, et comme il faut systématiquement se montrer, la part d'ombre, qui est la part libidineuse, ressurgit de la même manière, d'où les films X. Mais arrêtons-nous sur cette société exhibitionniste. Comment est-ce qu'on peut la réinventer ou la calmer? C'est une question énorme, hein, parce que oui, si non, vous voulez. Non mais là, moi je suis l'analyste, c'est-à-dire que oui. j'ai fait beaucoup de travaux pour essayer de comprendre ce fonctionnement qui est à l'envers de toute notre culture. Hein. Il y a encore quelques années, le sage, justement, était celui qui ne devait pas se montrer, qui devait être discret et, j'allais dire, donner l'exemple d'une certaine humilité, alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas exister si on ne se montre pas. Hein. Vous disiez vous-même tout à l'heure, dans votre travail, il faut bien rentrer dans toute une dialectique d'exhibition pour pouvoir réussir dans quelque métier que ce soit aujourd'hui. Hein. Donc, c'est une question, et alors, avec l'envers, donc, il y a sa part sexuelle, et la pornographie n'est que l'envers de ce fonctionnement-là. Alors, comment faire? Je pense qu'il y a quand même une réflexion à mener. Hein. C'est-à-dire, déjà, je pense qu'une lucidité sur ce fonctionnement-là, il ne s'agit pas de se lamenter, hein, de dire, bon, c'est terrible, etc., mais de se dire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un renversement pareil se soit opéré, et qu'est-ce qu'entraîne cette valorisation de l'apparence sur les valeurs profondes. Et question fondamentale, parce que vous ajoutez, il est inutile d'interdire les films X, parce que tant qu'on n'aura pas, tant qu'on ne se sera pas penché sur cette question. Voilà. Deuxième aspect des choses, et excusez-nous de ce survol, mais je trouve que ça permet de s'écarter un peu de l'approche initiale de votre travail, c'est sur la responsabilité. La responsabilité de celui qu'on considère comme un dément. Oui. Et parfois, aujourd'hui, il y a un discours très sécuritaire, très répressif, qui consiste à dire, finalement, les psys disent il est fou, et donc ça permet de pas juger. Or vous, dans ce texte, Le Remords, vous dites qu'il est nécessaire de responsabiliser celui qui a pu être considéré à un moment comme un dément. Et c'est ce que vous montrez dans Le Remords et dans cette psychanalyse que vous avez faite avec celui que vous appelez Didier. Pourquoi est-ce qu'il est important de responsabiliser celui qui a pu être fou au moment de l'acte criminel? Parce que si on le laisse dans sa dialectique de folie, c'est-à-dire qu'au fond, on lui laisse entendre, bon, mon pauvre, c'est arrivé à un moment où tu n'étais pas conscient de tes actes et... peu importe, enfin donc on va t'enfermer, on va te punir, et puis c'est tout, on ne lui permet pas de saisir tout ce qui est à l'origine de cet acte. Tout acte humain a un sens, tout acte humain est porté par une histoire, et par une histoire quelquefois qui remonte très loin, comme je le montre dans ce livre. Donc, il ne suffit pas de dire, bon, on va le mettre à l'écart, il faut bien, hein, il faut bien emprisonner, il faut bien mettre à l'hôpital, comme c'était le cas pour cet homme, mais en même temps, comment l'aider à assumer son acte en profondeur, à travers son histoire, pour que, à partir de là, l'ayant assumé, il puisse aller plus loin et continuer sa vie. Parce que finalement, cet acte risque d'être un arrêt qui va définitivement l'enfermer dans sa problématique. Et là, c'est quand même un cas exceptionnel, puisque c'est quand même un meurtrier. Alors voilà, on peut montrer qu'il existe des cas de guérison, si je peux l'entendre comme ça, c'est-à-dire au moins de renversement d'un homme qui était enfermé dans la pathologie délinquante et qui s'ouvre à un partage humain tout à fait normal. Qui passe par un remords qu'il est incapable voilà. d'assumer. Il vit son remords jusqu'au bout, au lieu de le vivre uniquement comme un remords écrasant. Comme quoi tous les psys ne sont pas pour l'irresponsabilité. Hein. Ce serait vraiment le fondamental. Non, mais je crois que c'est oui, à dire très dans le climat ambiant. C'est-à-dire qu'au fond, quand on a affaire à des délinquants, y compris les délinquants sexuels actuels, il ne suffit pas de les punir, mais de leur faire prendre conscience de ce qui se passe
Et quand même... Vous êtes responsable. Les obligations de soins, aujourd'hui, permettent ça. Hein. On termine, avant de vous demander, Nathalie, ce que vous avez entendu de ce qu'a dit Gérard Bonnet, Christine Orban, Albin Michel, deux fois par semaine, donc pour tous ceux qui sont tentés par... Enfin, qui se posent leur, la question de vie, et la question de, du « je me voyage », c'est la description d'une, analyse. Et elle décrit là ce lieu particulier où dans un divan et dans un fauteuil sont assis un analysant et un analyste. Et elle écrit par exemple ceci. « Dans ce drôle de théâtre, j'étais dialoguiste, metteur en scène et actrice, quoique d'une manière particulière, puisque je payais pour être écouté. J'étais difficile à définir et à cerner pour le spectateur, parce que la maladie se loge aussi dans les mots chargés de la dissimuler au lieu de la désigner. Le premier ennemi à combattre est à l'intérieur de soi, souvent c'est le seul. Un jour, le bailleur d'air me le dira, mais bien plus tard. Parce que le bailleur loue parfois le temps avec les mots, c'est alors un meublé, mais c'est le même prix, avec ou sans les meubles. Il faisait beau ce jour-là, nous étions en septembre, un début d'après-midi. Rien de pire que d'aller mal quand le soleil brille, tenue d'hiver, le soleil brille, et enfoncé, je ressemble à une tache. La nature et moi sommes en désaccord, je suis en désaccord avec la nature, je détonne parmi les passants avec mes couleurs sombres, j'ai mal. Pas seulement pour la différence là, maintenant, mais pour la différence tout le temps, la différence dedans. Je ressemble à une fausse note, à celle que mon professeur de piano appelait un canard, quand tout à coup un doigt dérapait et qu'un son discordant s'ensuivait, abîmant la mélodie. Nathalie Dessay, vous qui dites aussi « faire sortir le sang des mots », qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Gérard Bonnet ? Moi, je suis très intéressée par la psychanalyse depuis longtemps, parce que je suis aussi entourée. Ah oui. De gens, notamment mon beau-père. Anne-Laurie. Aldo Anne-Laurie. Donc je baigne un peu dans tout ce discours et ce qui me fascine, c'est encore une fois le pouvoir des mots. Je ne saurais pas dire autre chose, mais en tout cas, c'est. L'analyse est ce vers quoi je me dirige. Donc, je suis très contente de vous avoir rencontré. Elle est bien. Non, mais parce que effectivement, il y a cette notion d'enfermement. Oui. Et il faut. Une des façons de s'en sortir, c'est probablement de le dire, déjà. Alors, moi, je le chante. Oui, c'est déjà pas mal. Il faut que je passe au dire. Oui. Et c'est un peu dur de chanter allongé, quand même. Hein. Oui, surtout sur le dos. Oui, non, je l'ai fait déjà. Ça ne pose aucun problème. Oui, vous êtes prête. L'opéra vous met dans toutes les positions, de toute façon. Alors. Vous êtes absolument prête. Un peu de musique avec Robert et Six pieds sous terre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Hein. L'analyse, c'est plutôt pour se relever. Quatrième album en 12 ans de cette chanteuse marginale, elle se prénomme Robert. Et dans cet album, elle aborde des thèmes majeurs, la vérité, l'indifférence, le silence, et le silence qui engendre la mort. Premier extrait, personne. Personne ne manque à personne, personne ne pleure personne, pourquoi même en parler? Personne n'a tué personne, personne n'est mort pour personne, personne n'est enfant de personne, pourquoi même en parler? Personne ne ment à personne, personne ne manque à personne, personne ne hait personne, pourquoi même en parler? Personne ne dit rien à personne, personne ne regrette rien. Et si quelqu'un en souffre, personne n'en sera rien. Et si personne n'est là, autant cracher sur moi. Personne ne m'en voudra, personne ne le saura. Je n'en veux à personne, je n'ai pas de chagrin. Et je ne hais personne, car personne ne met rien. Personne, personne. Personne, personne. Personne n'a aimé personne, personne ne manque à personne, personne n'a pleuré personne, pourquoi même en parler? Personne n'a tué personne, personne n'est mort pour personne, personne ne hait personne, pourquoi même en parler?
Personne ne manque à personne, personne ne ment à personne. Et si quelqu'un en souffre, personne n'en sera rien. Et si personne n'est là, autant cracher sur moi. Personne ne m'en voudra, personne ne le saura. Je n'en veux pas à personne, je n'ai pas de chagrin. Et je ne hais personne, car personne ce n'est rien. Personne, personne. Personne n'est enfant de personne, personne n'est mort pour personne, personne ne pleure personne, pourquoi même en parler? Et si personne n'est là, autant que je sois là, autant que ce soit moi, personne ne le saura. Et je chante, je souffre, et je souffre, je souffre, mais si mon chant est gai, alors c'est sans regret. Robert, qu'on retrouvera à la fin de cette émission. Nous ont rejoint Laurent Danchin, Mintra Nui du magazine littéraire qui a mis à sa une la Bible, le livre des écrivains, avec notamment Pierre Michon, Sylvie Germain, Éric De Luca ou encore Valère Novarina, autant de personnes qu'on a reçues dans cette émission. Et ce soir, vous êtes venu avec Petre Kral pour Notion de base, qui est un recueil de prose publié chez Flammarion. On commence avec vous, Laurent Danchin, pour une exposition qui a lieu à la Halle Saint-Pierre, dirigée par Martine Luzardi, sur l'art brut brésilien, image de l'inconscient. Vous-même, vous êtes un spécialiste de l'art brut. Dubuffet n'a pas de secret pour vous. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on établit une passerelle entre l'art brut brésilien et Dubuffet? Qu'est-ce que c'est que l'art brut? Et surtout que cet art brut brésilien, il a une particularité, c'est qu'il a à voir avec les images de l'inconscient, hein, puisque c'est le sous-titre de cette exposition. Autrement dit, que ces artistes-là sont des schizophrènes, pour l'essentiel. Voilà, ces images de l'inconscient, c'est le nom d'un musée qui a été ouvert en 1952 à Rio de Janeiro par une psychiatre brésilienne remarquable qui justement était une disciple de Jung, que j'ai eu plaisir à voir tout à l'heure expliquer qu'il avait une formation philosophique alors que Freud n'en avait pas du tout. Et en écoutant M. Bonnet, je me disais que ce qui manque terriblement au monde actuel, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est un peu de bon sens et de philosophie, et qui manque terriblement d'une culture générale maintenant dans un monde totalement éclaté. J'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez dit le fait qu'il faut retrouver une position centrale qui permet d'éviter les excès. Alors cette femme avait ouvert un atelier de ce qu'elle appelait, avant qu'il y ait le mot art-thérapie au Brésil, thérapie occupationnelle. En Europe, on parlait d'ergothérapie, on parlait d'art-thérapie par la suite, en Angleterre d'abord. Et puis, en fait, avec beaucoup de bon sens, à l'époque, elle ne connaissait pas Jung, mais elle s'était aperçue que certains malades, donc des grands psychotiques, étaient créatifs simplement parce qu'ils avaient un énorme besoin de s'exprimer, par exemple en gravant sur les murs, en écrivant par terre, et donc elle a eu l'intelligence justement de ne pas vouloir trop intervenir, juste de demander à un jeune artiste brésilien de sa connaissance d'installer un atelier en laissant un maximum de liberté aux malades, c'est-à-dire aucune espèce de contrainte, juste leur proposer des matériaux et les laisser librement essayer d'exprimer, construire quelque chose qui leur était propre. Alors il y avait à l'époque, je crois, 1500 malades dans cet hôpital qui s'appelait Dom Pedro II à Rio de Janeiro. Évidemment, la proportion de gens vraiment créatifs dans les hôpitaux n'est pas plus grande que dans la vie normale, malheureusement. Donc seuls certains d'entre eux sont des artistes. Et alors parmi eux, évidemment, se sont révélés un certain nombre, on va dire, de créateurs meilleurs que d'autres. Alors si on revient à l'art brut de Dubuffet, à la même époque, cet atelier s'était ouvert au Brésil en 1946. Dubuffet a inventé la notion d'art brut en 1945, un an avant en France. Donc lui, c'était en ayant prospecté dans les hôpitaux psychiatriques suisses et français, trouver des œuvres de créateurs vraiment hors du commun, qui sont devenus les grands classiques de l'art brut. Ensuite, il a trouvé, vous savez, des créateurs aussi dans les milieux spirites, c'est-à-dire dans des cercles, des micro-milieux qui n'étaient pas des milieux artistiques, mais où il y avait une activité créative qui s'exprimait par des biais, on va dire, étranges ou inhabituels, quoi. Il a aussi prospecté parmi des
sorte d'originaux visionnaires, des obsessionnels qui vivaient dans la vie courante, qui étaient des gens qui n'étaient ni internés ni spirites, mais qui aussi avaient une création marginale, souvent clandestine. Alors, Nice de Silvera ne connaissait rien de tout ça. Au début, elle n'avait aucune prétention artistique. Elle dit elle-même que sa collection, dont elle a fait un musée en 1952, avait surtout une vocation scientifique, parce qu'elle voulait que ce soit accessible à des chercheurs du monde entier pour, comme matériel, on va dire, diagnostic, c'est peut-être un vilain mot, mais pour aider à comprendre les mécanismes de la création artistique et aussi les profondeurs de l'inconscient. Alors un jour, elle a lu des ouvrages de Jung, et je pense que ce qu'elle a aimé dans Jung, c'est que Jung a justement cette dimension ouverte sur les symboles, beaucoup plus que Freud. Freud, c'est vraiment analytique au sens très, très scientifique. Moi, j'ai très, très grand respect pour Freud, que j'ai lu dans ma jeunesse très, très attentivement. Mais Jung a cette ouverture, on va dire, aux archétypes, à la culture universelle, et ça, c'est sûr que ça plaisait à cette Brésilienne. Elle écrit d'ailleurs, en écoutant le patient, en étudiant ses dessins, la personne attentive pourra se rendre compte que la matière première des délires est constituée d'idées et d'images archétypiques, isolées ou bien regroupées en fragments de thèmes mythologiques. Si cet observateur souffre de la même déformation professionnelle que le médecin, il aura tendance à ne voir dans les créations de l'imagination que des éléments pathologiques ou sans consistance, et il s'empressera de cataloguer ses idées et ses images comme des effets de la maladie. Par contre, s'il s'écarte des règles préétablies, il se confrontera à des processus psychiques étonnants. C'est la structure même de la psyché, dans ses fondements et dans son dynamisme, qui lui sera donné d'entrevoir. Et c'est vrai que quand on parcourt cette exposition à la Halle Saint-Pierre, il y a cette possibilité d'accéder à un universel. Enfin, sinon un universel, du moins à une communauté. On a tout ça, tout ça en nous. Et Martine Luzardi, qui est commissaire de l'exposition, insiste bien sur cette idée que si on cherche, on peut trouver une communauté. Oui. Sinon, ça ne toucherait pas d'ailleurs le public. Mmh. Et ce qui avait frappé cette femme, qui n'était donc justement pas du tout une artiste, qui était un médecin, c'est que quand elle a fait la première exposition des œuvres, qui, très modestement d'ailleurs, des œuvres qui avaient été faites dans cet atelier, elle s'est aperçue que les gens qui ont le mieux réagi n'étaient pas les médecins, justement, ni les psychiatres, mais des critiques d'art, des écrivains, des artistes qui ont été touchés par l'humanité de ces créations. Alors vous voyez, le catalogue que vous avez là est fait en deux parties. Et si vous le retournez, ici, vous avez... un autre catalogue d'une exposition, Martine Luzardi a dû vous le dire, qui malheureusement n'a pas pu venir en France et a été annulée à la dernière minute. Et ça, c'est le plus grand artiste d'art brut brésilien. Il ne figure donc pas dans l'exposition actuelle. Il s'appelle Bispo do Rosario et on l'avait montré au Jeu de Paume il y a 2 ou 3 ans. Vous vous rappelez peut-être, c'est une exposition d'un homme, c'était un descendant d'esclaves brésiliens qui avait été investi après une hallucination, il n'y a pas d'autre mot, investi une mission divine, et il pensait qu'au jour du jugement dernier, il devait faire l'inventaire complet de tout ce qui existait dans le monde. Donc il a passé sa vie à staffer, à momifier avec des fils, etc., tous les objets du quotidien, par série, par vitrine, et aussi à se faire des capes brodées absolument splendides pour pouvoir assister au jugement dernier dans un habit digne des circonstances. Mmh. Voilà. Et ce Bispo de Rosario est un créateur qui est mort en 1989. Et après sa mort, alors, son œuvre a commencé à faire un peu le tour du monde. C'est très dommage qu'elle n'ait pas pu revenir en France occasion. Voilà à l'image. Sur l'art brut et ce que disait Dubuffet, je trouve que c'est une belle définition. C'est-à-dire que cet art brut, c'est quelqu'un qui est vierge de tout apport culturel. Oui, ça c'est, disons, c'était la théorie de Dubuffet qui lui était un homme extraordinairement cultivé et qui avait une éducation bourgeoise. Que toujours dire ça pour les autres. Dont il a besoin de faire table rase comme beaucoup de gens au XXe siècle qui ont eu une éducation académique, on va dire. Mais non, l'art brut n'est pas sans source, mais ce sont des sources d'origine populaire. Et surtout, je crois qu'on est en une époque, le XXe siècle, c'est une époque de rupture, le XIXe aussi. On est dans une grande mutation historique de rupture. Donc, quelle que soit la forme de création, les sources sont rompues. Il y a une transmission qui s'est rompue. Et c'est pour ça qu'on glorifie énormément l'autodidacte aujourd'hui. Parce qu'il faut, qu'on soit savant ou qu'on soit modeste, enfin, il faut de toute façon se reconstruire à partir des bribes du monde antérieur et des choses qui sont en train de naître en ce moment pour une nouvelle configuration des choses, quoi. Donc de toute façon, on est dans une époque de rupture. Et l'art brut a à voir avec ce phénomène de rupture. Les artistes, les grands créateurs de l'art brut, s'ils avaient vécu à une époque antérieure, auraient sans doute été les grands créateurs d'art populaire qui auraient renouvelé leur domaine. Mais à une époque de rupture et de déracinement, ils ont créé une œuvre un petit peu autiste, si on peut dire. Je ne dis plus art brut, je dis art contemporain, et je reviens à ce que vous disiez, Laurent Danchin, en commençant, en vous adressant à Gérard Bonnet, sur cette idée de... Il est nécessaire, plus que jamais, pas seulement de la philosophie, mais de se recentrer. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans l'histoire de l'art, ou ce qui passe et qui appartiendra à l'histoire de l'art, on réussit à se recentrer, et pas à partir dans tous les sens ?
C'est compliqué, on est comme dans l'histoire de l'art, comme en philosophie, en psychanalyse, dans un monde d'une très très grande confusion et très, très grand éclatement. Et heureusement, il y a des forces en ce moment qui sont centripètes, vilain mot, mais non pas centrifuges, hein, parce que c'est une question vitale. Sinon, on va tous y passer, si je puis dire. Voilà. Et pendant très longtemps, l'art brut, vous voyez, depuis 1945, etc., était tout à fait marginalisé par rapport à l'art officiel qu'on voyait dans les musées. Et aujourd'hui, à ma grande satisfaction, je vois que ces deux univers commencent à se rejoindre, non pas à s'identifier, mais à ne plus se mépriser mutuellement ou entrer en conflit. Et je pense que de toute façon, une culture est vivante quand l'art s'avance, s'alimente aux sources populaires et réciproquement. Parce que l'influence est toujours dans les deux sens. L'art brut, quoi qu'en ait dit du Buffet, tire ses racines aussi de quantité de choses, d'un imaginaire visuel emmagasiné inconsciemment. L'art n'est jamais sans source, c'est le problème du travail du rêve. On ne fait pas d'un rêve avec rien, il y a toute une mémoire visuelle. Et ces créateurs qu'on trouve au Brésil, là, c'est des gens qui avaient des yeux sûrement qui devaient manger le monde. La Halle Saint-Pierre, c'est jusqu'au 26 février 2006. Allez-y. En plus, il y a une buvette. Très bonne librairie. Très bonne librairie. Une excellente librairie, unique en France. Il y a d'autres expos en plus. Dans la collection de l'art brut, du Buffet et l'art brut. Et ça, c'est jusqu'au 29 janvier au musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. Voilà. De cinéma dans l'actualité, avec un film « We don't live here anymore ». Comme dirait l'autre en anglais dans le texte. Où est-ce que j'ai mis je ne sais plus. Donc je vais vous parler du film. L'auteur, en tout cas, c'est John Curran. Les jeux de l'amour et de l'adultère, analysé dans un film. C'est un film américain, c'est un film sombre. C'est deux couples. Et il y a là, qui essayent de se recentrer, mais c'est un peu croisé leur histoire. Infidélité croisée, interprétation convaincante, avec notamment Laura Dern et Mark Ruffalo, que l'on retrouve dans cet extrait. No more of this crap, all right? From now on, we act like a married couple. No more flirting around, you understand me? No, how could I? Who can understand such a flaming pile of bullshit? Oh, Jack, come on, don't play dumb. Please. Terry, why don't you have some wine? Because we've been drinking gin, and I don't want wine. Let's not talk about this now. Let's talk about this in the morning. You're drunk, and we're gonna fight, and you have that look of yours. Forget that look of mine. Let's talk about you and Edith. The little trips you take. These damn errands. Huh? Somebody runs out of something? Some goddamn egg rolls and off you go, you and Edith. Egg rolls? Really, egg rolls? What are you talking about? You know what? You shouldn't leave me with Hank like that and put me in that position. In what position, Terry? Doug, listen to me. Something's going on. I mean, either you want it to, or it is. That is such a lot of horseshit, okay? What is wrong with me and Edith going off to get a goddamn six-pack of beer? Voilà, c'était le prix du scénario au Festival de Sundance en 2004, We Don't Live Here Anymore. Je voulais vous signaler Trésors des églises parisiennes, peintures, sculptures, vitraux, mobilier, les chefs-d'œuvre de l'art religieux. C'est publié chez Parigramme et c'est signé par Bertrand Dumas. Actualité également avec la bande originale du film Joyeux Noël, film de Christian Carion. Et là, il y a Nathalie Dessay, voilà, quelqu'un qu'on recevait tout à l'heure. Nathalie Dessay, toujours avec La boîte à joujoux. C'est un conte musical, Debussy, texte de Rascal. Et on vous retrouve également dans ce livre album. Récitante, uniquement. Récitante, hein, c'est publié chez Didier Jeunesse. Mine, bonsoir. Petr Kral, bonsoir. Bonsoir. On va vous lire tout de suite, hein. Comme ça, et en plus j'ai choisi un court texte qui nous renvoie à Freud, puisque vous savez que Freud a beaucoup pris les trains, et je n'ai pas résisté, puisqu'on parlait beaucoup de psychanalyse, eh bien, à vous lire dans le train. « Aucun moyen de transport n'a changé notre connaissance du monde comme le train. Avant même de nous mettre en route avec le nôtre, nous partons grâce à celui qui s'ébranle sur la voie parallèle et qui nous fait croire brièvement que c'est nous qui nous en allons. » Nous ravissant perfidement le souffle pour ne nous laisser que la masse d'un corps inerte et sourd comme revenu d'avance du voyage.
Encore par la suite, pendant le trajet, le ciel vient vers nous comme jamais proche et vif entre les wagons d'un train croisé en chemin, où il claque et palpite en rubans de métal frais. Depuis que les trains existent, on sait ainsi qu'on roule toujours dans d'autres que ceux où on est assis. Bon, Freud a été un grand voyageur, et c'est vrai que parfois, l'analyse peut ressembler à un voyage en train. Mine, on a là un bel auteur. Oui, tout à fait. Alors, un auteur qui d'ailleurs n'en est pas du tout à son premier texte, puisqu'il a publié des dizaines de poèmes auparavant, de recueils de poèmes et d'autres textes. Alors, Notion de base, c'est une centaine de micro-récits, de courts textes qui sont à mi-chemin de l'anecdote et du poème, et qui s'attachent à des objets, des lieux, des situations, des sentiments qui font partie de notre quotidien. Donc ça peut être aussi bien la montée d'un escalier, le petit déjeuner, ou le rituel du rasage pour vous messieurs, ou encore l'absence, la solitude, l'amitié, ou même les couples. Alors Milan Kundera, qui est l'un des trois préfaciers du recueil avec Massimo Risante et Iverson, parle d'une étrange et belle encyclopédie existentielle de la quotidienneté, sans doute parce que dans chacun des textes, il s'agit de déchirer le voile de l'apparence et du familier pour redonner un sens à des petits faits du quotidien qu'on ne remarque pas ou plus. D'où cette centaine de prose qui à chaque fois est très très en nuance et permet de redonner un sens au quotidien. J'ai une question, peut-être Kral, à vous poser. Vous êtes né en Tchécoslovaquie en 1941. Vous avez beaucoup travaillé ou joué avec les surréalistes. Et je me disais, en vous lisant, je me demandais si, finalement, pour quelqu'un qui a fréquenté le surréalisme, qui a travaillé dans le surréalisme, cette manière d'écrire n'était pas la forme la plus aboutie du surréalisme ou la forme la plus actuelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression de comprendre et on est face à un gouffre. Je ne sais pas, vous savez, c'est un peu les étiquettes, le surréalisme en fait partie. C'est sûr qu'on n'oublie pas complètement son passé ou que la leçon surréaliste fait partie de mon chemin et de mon cheminement, mais est-ce qu'on peut coller ce mot sur toutes sortes de choses, y compris ces proses, je ne sais vraiment pas. Si c'est à la fois, si le mot désigne une forme d'étrangeté dans la familiarité, d'accord, sans doute. Mais j'espère que c'est mon surréalisme, au moins, ou pseudo-surréalisme. Non, mais on peut vous comparer à des gens comme Delerme, par exemple, puisque vous prenez les mêmes sujets, un verre, une espadrille qui sent la plage humide, et pourtant vous nous emmenez sans doute autrement et vous nous emmenez ailleurs. Se déshabiller, par exemple. Alors que nous nous déshabillons avant l'amour, déjà tourné tout entier vers l'autre corps, nous passons en revue le peu que nous pouvons offrir, à la fois incrédule et étonné à l'idée que l'autre puisse prendre ça pour de l'inconnu et qu'il nous soit permis de le mêler à ses charmes. Quand nous nous déshabillons tout seuls, de nouveau, légèrement émus, nous ne voyons que notre fragilité, nous compatissons avec elle et sommes prêts à croire malgré tout qu'elle finira par l'emporter sur l'assurance des musclés autour de nous. J'ai l'impression d'avoir compris ce que j'ai lu. Or, il faut que je le relise pour goûter. D'accord. Ça, c'est une forme de on a l'impression de comprendre la règle du jeu et on ne l'a pas vraiment comprise, en tout cas la première lecture. Il y a sûrement un glissement, mais pour moi, les choses glissent. Donc, si ça se sent, c'est du réalisme d'une certaine façon. Un mot sur votre parcours 41, la Tchécoslovaquie. Donc, il y a dans votre parcours et dans votre parcours de créateur, dans votre parcours de poète, la chute du mur. Est-ce que ça a changé, et la fin du communisme, et des illusions qui allaient avec, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre processus créatif? Ça, c'est une question dure à répondre. Ça a changé quelque chose dans ma vie, donc forcément aussi. Vous êtes venu à Paris, ne serait-ce que. Parce que j'étais plus tranquille quand le mur existait, parce que j'étais à Paris, j'étais du bon côté. Et je pouvais complètement faire taire en moi certaines interrogations sur mon passé, notamment.
Alors que quand le mur est tombé, à nouveau, il fallait me reposer certaines questions. Bon, on n'échappe pas, évidemment, à son passé. Et le mur faisait partie d'une illusion qui est tombée, enfin, une autre encore qui est tombée, en même temps que le régime qui y correspondait. Voilà. Gérard Bonnet, j'ai un deuxième client pour vous. C'est formidable. Et Petr Kral. C'est l'histoire qui est à psychanalyser. Non, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans vos poèmes, c'est le fait qu'il ne s'agit pas d'objets simplement esthétiques, mais ce sont des révélateurs. Si bien que ça me rappelle une phrase que vous avez eue dans un autre de vos textes, où vous disiez que la mission d'un poète est moins celle d'un beau parleur que celle d'un arpenteur de l'existence. Et je voulais vous demander de développer un peu cette idée. Ah, ça serait soit long, soit il faut le régler par un aphorisme. C'est Francis Jammes qui disait que le poète n'était pas un littérateur dans le sens où il nommait simplement les choses. Bon, il les nomme peut-être dans leur complexité, mais il ne les orne pas. J'entends moi-même, pas le travail, mais le jeu du poète comme quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'ornement, mais de l'ordre d'une vérité cachée, quoi, de la recherche d'une vérité cachée, pour le dire simplement. C'est peut-être ce qui vous différencie finalement de Delerme, c'est que chez vous, ça aboutit peut-être à un questionnement métaphysique qui n'est pas forcément présent toujours chez Philippe Delerme, par exemple. Je ne peux pas. Moi, je n'ai pas le jugement, là-dessus, ouais. Par définition. J'ai moi une dernière question à vous poser, parce que je vous ai lu, et je voulais vous demander si vous continuez à écrire en marchant dans les tournants. Ah oui, c'est surtout en marchant dans les tournants que j'écris. Parfois, ça retombe sur une feuille de papier, mais c'est les tournants qui sont essentiels. Mine, alors là, vous avez quelques kilos. Voilà. Quatre. J'ai, très dur à transporter d'ailleurs. Donc, c'est le dictionnaire culturel de langue française sous la direction d'Alain Rey. C'est une entreprise monumentale, comme on peut le voir. Alors, il s'agissait, donc, l'ambition de la chose, c'était d'associer une étude lexicographique classique, donc effectivement le sens de tous les mots enrichi de citations, etc., à une étude culturelle, c'est-à-dire de resituer chaque mot dans le fleuve des idées, à savoir qu'on explore toutes les notions à travers différentes civilisations. Donc, je prends par exemple le loup-garou, disons la danse, la littérature, ou le cerisier, ou même l'art. Et à chaque fois, il y a des encadrés qui suivent ces différents mots et qui les replacent. Donc il y a des passerelles entre différents concepts, différentes langues et différentes cultures. Par exemple, on apprend que le mot magazine, par exemple, donc vient du mot anglais magazine, qui vient lui-même du mot français magasin. Donc en fait, tous les mots voyagent sans cesse et le principe de ce dictionnaire, c'est un dictionnaire extrêmement dynamique. Et ça, c'est absolument passionnant parce que c'est vrai qu'on retrouve toute l'histoire. D'ailleurs, c'est des carrefours à la fois étymologiques, historiques, littéraires, artistiques, qui sont comme ça cristallisés à travers chaque notion. Gérard Bonnet, est-ce qu'on peut dire d'Alain Rey que c'est quelqu'un qui est dans une folie douce ? Mais tant mieux pour lui. Je précise qu'il a quand même eu. C'est extraordinaire cette capacité qu'il a. Je précise qu'il a dirigé la chose, mais qu'il y a une centaine de personnes qui se sont attachées à faire les 1320 encadrés. Les voir, les animer. Voilà. Mais ça en fait des fous quand même. Des fous furieux de l'amour et du plaisir. Des mots et du plaisir. Et quand la folie se réalise comme ça, c'est extraordinaire. Et puis, dernier conseil de lecture, Stéphanie Audegui. Non, Stéphane. Stéphane, pardon. Stéphane Audegui, La théorie des nuages. Voilà, donc je voulais parler de ce livre qui a récemment reçu le prix du style, parce qu'il est paru un peu plus tôt, mais du coup, il est réactualisé. Le prix du style, voilà, c'est écrit là. Voilà, une belle banderole visible. Alors, c'est pour ceux qui ont aimé Lost in Translation, à mon avis, ils adoreront ce livre, parce que c'est l'histoire d'un couturier japonais qui a la particularité de collectionner les livres parlant de nuages. Et il rencontre... Et il rencontre une jeune femme française à qui il demande de classer sa bibliothèque. Et en fait, il va monopoliser tout son temps en lui racontant des tas d'anecdotes autour des nuages, comment la terminologie du nuage a été créée, quel peintre était passionné par les nuages, etc., etc. Et c'est un très, très joli livre. La théorie des nuages. Je voulais vous signaler 9, 10, 11 décembre 2005, Transit 2005, Africa Color autour du Mali. J'ai notamment noté rencontre avec Souleymane Cissé, c'est le 9 décembre pour son film Yélène. On en avait parlé dans Des mots de minuit. Lecture dirigée par Moussa Konaté, c'est le 10 décembre 2005. Enfin, il y a un concert avec Fatoumata Ma,
Kouyaté, c'est le 11 décembre 2005. Et puis le 9e festival hip-hop organisation, c'est au centre de danse du Galion. Danse hip-hop, professionnel, curieux, tout le monde peut venir apprécier des créations exclusives. Voici l'affiche, centre de danse du Galion. C'est la fin de cette émission, on se quitte en musique. On retrouve Robert, deuxième extrait de son album Six pieds sous terre, ça s'appelle L'hymne à la mort. Tu ne m'as jamais, jamais rien promis, jamais. Moi je ne t'ai jamais près de moi. Alors je ne pourrai jamais t'en vouloir. Je sais, pour te garder, tu sais, j'ai des projets. Tu en as marre de moi, tu fatigues, c'est ça, un coup de barre sur toi. J'ai donné, je crois, je vois ton sang qui coule dehors. Je t'aime à vomir, c'est laid. À mourir, c'est fait. Je t'aime à souffrir, au fait. Qu'est-ce que ça te fait? Toi, tu ne dis plus rien. Ça ne te coûte rien, juste un regard. Six pieds sous terre. Merci mesdames d'avoir participé à cette émission. Merci messieurs. La semaine prochaine, nous recevrons notamment la chef Hélène Darroze. Alors je voulais vous dire, comme toutes les semaines d'ailleurs, que la peine de mort n'avait pas été abolie aux États-Unis. Au contraire, Kenneth Boyd a été le 1000e exécuté en Caroline du Nord après 17 ans d'emprisonnement par injection. Donc c'est le 1000e condamné à mort exécuté aux États-Unis depuis 1976. Dans le même temps, on traque dans l'État de Virginie. La peine d'un condamné à mort a été commuée en réclusion à perpétuité. Globalement, on répétera que l'opinion publique américaine est en train de changer et d'aller plutôt vers l'abolition. Et je noterai encore que seuls la Chine, l'Iran et le Vietnam ont exécuté plus que les États-Unis en 2004. 59 exécutions. En 2004 aux États-Unis. Sachez enfin qu'en France, dans les prisons françaises, il y avait, au début du mois dernier, en novembre, 58 082 détenus pour seulement 51 195 places. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. اللي سقطت من العار وصرت يابسة يابسة وحزينة راني هاي ما نعرف وصرت يابسة
يابسة يابسة وحزينة راني هايمة ما لا أعرف.